C'est Thomas Manuel et aujourd'hui on se retrouve sur le mode infecté à multijoueur sur Call of Duty Black Ops 3 et aujourd'hui je vais tout d'abord vous faire voir comment y aller dessus. Alors faut savoir que je suis au clavier souris, hein, on est sur PC là, donc là je parle exclusivement sur PC. Sur console j'ai aucune idée comment ça marche, je n'ai pas de j'ai des consoles mais j'ai pas Black Ops 3 dessus et à vrai dire je préfère l'avoir sur PC. Vous êtes tous normalement sur le multijoueur, donc là vous arrivez, menu Black Ops 3, multijoueur, ça vous savez tous faire. Vous avez en bas un nouveau truc, navigateur du serveur. Si vous avez fait la mise à jour, normalement, vous l'avez. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir tout simplement un nombre de serveurs. Donc voilà, c'est normal. Par exemple, Call of Duty Black Ops 3, carte Nuketown. On va prendre quelque chose de normal. Hein. Après, je sais pas, c'est des gens qui s'amusent à faire des nouvelles cartes. Hein. Écoutez, comme ils veulent. MME, et là, on a 0 sur 18. Alors, c'est un bug, je pense, parce que normalement, il y a des gens sur les serveurs. Tout simplement. Alors pour aller sur le Infect Mode, donc là moi je l'ai mis en favori de côté, hein. Pour aller sur le Infect Mode, c'est pas compliqué du tout, je vais vous faire voir. Vous avez le mode de jeu qui est là. Donc là il y a what the fuck. Infecté Chaniva. Il faut pas chercher à comprendre, les gens sont des tarés. Du coup, là tu regardes ce mode de jeu et tu vas attendre qu'il n'y ait rien écrit. Donc on va descendre, on va attendre qu'il n'y ait rien écrit. Bon. Ça part. Là, il n'y a rien écrit du tout. On va regarder un map Evac. On va regarder Infect Mode. Il n'y a pas écrit Call of Duty Black Ops 3, mais Infect Mode. Très bien. Il est écrit 0 sur 18, mais c'est un bug. Donc les pings sont assez élevés, mais c'est vraiment très jouable. Et on va aller rejoindre le serveur. Donc normalement, ce que je viens de dire est normalement très clair et très facile à suivre. C'est pas le tuto le plus compliqué du monde. On arrive donc sur Evac en mode infecté. Ce n'est pas un fake, hein, les mecs. Hein. C'est juste que ça vient de sortir. Il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur ce mode. Pour ma part, je la sors le premier... attends, je sais même pas en quel mois on est. Le premier... Attends, c'est octobre. Dans le 1er octobre 2016, je la sors. Alors, je suis désolé, je suis un peu malade, hein, faut pas m'en vouloir. Enfin, si, on peut m'en vouloir, mais ça sert à rien. Voilà. Donc, là, alors, je pense que le CDP et l'équipe infectée et le Black Ops, l'équipe non infectée, je sais pas comment ça marche. Donc là, comme vous pouvez voir, j'arrive directement avec une arme de poing. Excusez-moi, les amis, j'ai été appelé, ce n'est rien du tout. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi la partie se relance. Mais en tout cas, c'est super parce que on a la FFAR et je vais être plus infecté. Donc là, on va voir vraiment comment se déroule le mode de jeu. Alors, normalement, je devrais pouvoir rentrer dans la game assez facilement, si je dis pas de bêtises. Alors, on va attendre un peu. Alors, est-ce que vous pouvez me rentrer dans la partie, s'il vous plaît? Merci. Alors, il y a un petit bug, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, on peut pas rentrer dans la partie directement des fois. C'est un peu dommage. Le premier infecté sera pas moi. Fatal. Hashtag fatal, hashtag. Ok. Ok, alors il faut savoir que les survivants ont quand même une classe, hein, donc on a quand même une classe entière. Donc on a 6ème sens, donc 6ème sens qui nous est très utile. Donc voilà, c'est un peu un atout pupute, je l'avoue, mais sur ce jeu ça rajoute un peu de piment, un petit peu de challenge. On a le C4 et les fumigènes, alors ça dépend de la classe que va vous donner le jeu. Pour l'instant j'ai toujours pas croisé de sniper, ce qui est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé faire un sniper au... un infecté plutôt au sniper. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais bien aimé qu'on a... Oula, 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 oula. Ah, il y a quelqu'un là, deux secondes mec, je me concentre. Ok, ok, je fais de la merde, mais c'est pas grave. Je suis pas trop habitué à ça, à ce mode de jeu. Eh ben j'arriverai pas à le tuer celui-là, hein. J'arrive vraiment pas à le tuer, hein. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Alors... Ok, là on a un ennemi, il va arriver sur le côté. Attends, où il est? Alors, on s'est tous regroupés là, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je crois que c'est même une mauvaise idée, mais non, pour moi c'est une très mauvaise idée. Alors, il y a des petits bugs, hein, faut savoir. Alors, je suis désolé s'il y a un gros blanc là. Il y a eu... Oh, je suis dernier en vie. Ouh. Oh merde, bon, écoutez, je suis désolé s'il y avait un petit blanc là, je suis désolé, j'étais vraiment super concentré. GG tout le monde, alors je sais pas si ça m'a rapporté de points le fait d'être dernier, le dernier en vie. En tout cas, mon C4 n'a absolument pas pété, ce qui est un peu dommage. J'ai pas eu le temps de le déclencher. Waouh.
Ok, alors je vais vous faire voir après comment ça se passe quand on est infecté, parce que là j'ai été survivant. Je vais vous faire voir comment ça se passe quand on est infecté. Alors là, normalement, on a une nouvelle arme. On a la G40. Alors faut savoir que on a les armes du marché noir, même si vous les avez pas débloquées, on a les armes du marché noir. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Parce que le mec il met... Parce qu'en fait ça permet de te faire en fait découvrir. Alors j'espère que je vais pas être infecté parce que là ce serait super chiant. Mais ça permet de te faire découvrir un peu toutes les armes du jeu. Et puis voilà, alors faut savoir juste un petit truc, c'est que je n'ai pas le son du jeu, donc du coup ça me déconcentre un peu. Mais c'est rien de méchant. Alors vous voyez qu'on a tous un nombre de pins qui est un peu élevé, on va dire, hein. Mais c'est pas grave parce que comme vous pouvez le voir, c'est bien jouable quand même. Alors on a des atouts, vous voyez, les atouts ont changé. Par contre, le spécialiste ne change pas. Ça pue la merde ici. Et je te dis que je m'y connais, un puage de merde. Il est passé où? Je sens la mort. Je sens la mort, pas loin. Je la sens. Je la sens, elle veut m'approcher. Elle veut me schniffer le cul. Je le sens. En tout cas, on va... Alors, normalement, je cherche pas les ennemis. Je cherche pas les ennemis, mais je cherche plutôt à... Holy shit! Désolé. C'est pas de ma faute. Enfin, si c'est de ma faute, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, je suis un peu surpris quand je vois des, ennemis. Là, on a un ennemi, là. Oh, le shoot de merde que j'ai! Oh là 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 là. Donc bon, comme ça, ça va vous faire voir un peu. Non. Voilà, c'est la petite animation. Comme ça, je vais pouvoir vous faire voir un peu comment ça se passe en mode infecté. Donc vous n'avez aucun spécialiste. Même si un spécialiste se charge, vous n'avez rien du tout. Vous avez une tomahawk, une arme de poing. Donc elle varie. Hein. La plupart du temps, c'est des armes de marché noir. Alors je sais pas s'ils l'ont fait exprès. Tiens, dans ta gueule. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas. Ok, donc là, attends, je me concentre un peu, hop, hop, non, bon, j'aurais essayé, c'est pas grave. Là, en tout cas, ils ont pris un putain de bon spot. Je sais pas comment je vais faire pour le déloger, il y a un dernier survivant qui est tout là-bas. Ok, je sais pas pourquoi, mais les derniers survivants sont toujours à l'opposé de la map. Non! What? Les mecs jouaient au... Bon, ben, c'est son choix, écoute. Hein. En tout cas, GG à tout le monde. Alors, la partie se relance plusieurs fois. Il faut savoir que, normalement, elle se relance 3 fois, et après... après on peut changer de map. Donc il y a 3 manches en fait. Mais ah, premier sniper. Tout le monde est en train de rager parce que personne aime le dracon. Je suis désolé. Le dracon pue la merde. Ouais mais William, moi j'adore le dracon, il est franchement, il est super bien. Ouais ça va ta gueule, ok on a compris. Moi le dracon je l'aime pas. Ok, moi j'aime les snipers, mais le dracon c'est vraiment le truc qui pue la merde. T'achètes ça à 2€ à Lidl, c'est plus rentable que... C'est plus rentable d'acheter un truc à 2€ à Lidl n'importe quoi que d'acheter ça, quoi. J'adore mes références. Du coup, non, vous inquiétez pas, je ne suis pas partenaire avec Lidl. Ça pourrait laisser, mais non, hein, faut pas déconner non plus. Alors, quand j'aurai fini de dire des conneries, alors, je suis sûr qu'ils vont arriver par là, cette bande de cons. Quand j'aurai fini plutôt de dire de la merde, on pourra peut-être commencer à se concentrer un peu. Alors, on est tous agglutinés là, hein, putain. Heureusement qu'ils n'ont pas le spécialiste, hein, parce que sinon, ils pourraient nous faire vraiment très très mal. Alors attends, il y a quelqu'un là-bas. Merde, je sais plus où il est passé. T'es, mais tu te rends compte quand même. Regarde la carte, on est tous là comme un nid à rat là, putain. Eh ben putain, s'il y en a un qui arrive à nous tuer tous par derrière en mode ninja skill, motherfucker XXXXXX, eh ben je le respecte. Voilà. Donc, je ne sais pas si le but de cette vidéo était plus de vous faire voir comment... Était plus de vous faire voir comment arriver à ce mode de jeu pour les PC, je parle. Hein. Pour les PS4, j'en ai aucune idée. Ou pour vous faire quelques petits gameplays, je pense que ça... Oula. Il y a des gens, on se fait un peu déborder, c'est-à-dire que le sniper n'est pas une super arme. Ah, on a... Ah, ça nous recharge quand même les atouts. Hein. Les atouts sont quand même rechargés, ça je savais pas. Bon, on va essayer, voilà. On en a buté un. Ils sont quand même assez coriaces. Hein. Oula. Alors, par contre, là, ça bug pas mal. Ok, donc là, je me suis fait complètement défoncer. Il reste pas beaucoup de survivants. On va aller tout là-bas. On va essayer de faire un across de map pour la fin. Et pas un cross de map. Je sais pas pourquoi il y en a qui disent des cross de map. Alors que c'est des across de map. C'est quelque chose qui me stresse. Et du coup, voilà. Où sont les derniers survivants? Alors, ok, donc là. Oula. Là-bas.
Il faut savoir que quand il reste le dernier, quand il y a le dernier en fait, on a un drone automatiquement. Et c'est ce qui fait que... Ok. Donc, on a gagné. GG tout le monde. J'aime pas du tout le dragon, mais écoutez, la partie a été plutôt rapide. J'aurais bien aimé avoir le Locus, bon, voir les SVG 100 même s'il est un peu lent. Mais le Locus était vraiment kiffant. Oh là là, la kill cam, Tomahawk. Oh là là, ce skill, les mecs. Le mec il en veut encore plus. Alors normalement on devrait encore sur Evac. Ok, donc là ça doit être la troisième fois sur Evac. Bon c'est dommage que je fasse que des parties sur Evac. Mais c'est pas grave. Allez un petit... Oh putain la SVG 100. Yes. Personne aime les snipers ici je vois. En tout cas c'est pas grave. Donc on a gilet par balle, empreinte et silence de mort. La mort. Ok. Et encore je suis en train de tousser comme un con. Alors attends. Oh attends. Oh attends. Parce que les gens qui se mettent là... Non, ça se peut pas. Ok. Alors, qui est the first infect? Avec mon putain d'accent... J'ai cru en avoir vu un autre. Alors, je suis pas très fort au SVG 100. Au Locus, je suis un peu plus fort. Allez, boum. Sopadeg. Même si j'ai mis un peu de temps. Le mec il a voulu mettre son petit message, je l'ai même pas eu. Ouais. Allez, allez, encore. Non. Qu'est-ce que c'est dommage. Il y avait de quoi tenter un truc les mecs là. Là il y avait de quoi tenter un truc. En tout cas le SVG 100 sur ce mode de jeu, il est vraiment kiff kiff. Il est kiffant. Sauf que moi je dis kiff kiff. Parce que j'ai que ça fout de ma vie. Bref. Donc comme vous pouvez voir, alors beaucoup de gens vont penser que c'est un fake, mais ce n'est pas un fake les mecs. Je suis bien avec d'autres gens. C'est genre, bah fait, même si vous voulez avoir une preuve, même, bah, une preuve, genre les gens ont discuté, je sais pas, les bots ne discutent pas. Ouh, ok, donc les bots ne discutent pas, je suis désolé. Et les bots, bah, ils sont un peu plus des merdes, on va dire. En tout cas, c'est pas grave, je crois que je suis un des premiers à avoir fait une vidéo sur le mode infecté de Call of Duty Black Ops 3, ce qui me fait extrême. Alors attends, parce que là. Parce que là, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Je crois qu'il y a de la gente là-bas. Il y a de la gente. On va essayer de voir. Oh, il reste plus que 5 personnes, donc vous pouvez voir le score en bas à gauche. Ouh là là, il y a des gens qui sont en train de faire un carnage là. C'est pas beau à voir. Hein. Allez, je vais essayer de faire la petite kick-cam. Ah, dommage, j'aurais pu passer. Dommage. Le dernier là-bas, on va essayer de se le faire. Ah, ben dommage. Ok, donc vous voyez que ce mode de jeu est vraiment kiffant de... Kiffant, il est kiffant. Ce mode de jeu, il n'y a rien à dire. Il est bien fait. Bon, après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a quelques petits bugs. Par exemple, le relancement de partie, j'aurais préféré qu'il y ait plusieurs... Attends, parce que là, j'ai de la mec dans la... Voilà, c'était dégueulasse. Je refais, action. Donc du coup, ce qui est dommage, c'est que... Encore sur Evac. Oh, mais ils sont abonnés à Evac ou quoi, là? C'est quoi ce bordel? Bon, en fait, c'est pas grave. Écoutez, dernière partie sur Evac avec la... Oh, la Peacekeeper. Vous voyez, si vous voulez vraiment tester les nouvelles armes, mais allez sur ce putain de mode de jeu. Après, il y a The Giant, please. Alors, je crois qu'il y a le mode infecté sur The Giant. J'ai vraiment peur de dire une connerie, mais je crois. I crois, but I not sure. Voilà. Avec mon magnifique accent anglais. C'est moi le premier infecté. Oh, putain, c'est moi le premier infecté. Merde. Putain, je voulais tester cette arme, mais je peux pas. Du coup... Le mec ne sait pas que derrière lui se cache l'amour. Ouais, ouais, ouais. Merde, putain, j'ai failli. Alors je suis désolé si je suis un peu... What? Are you a fucking problem? Oh merde, j'ai failli l'avoir. Are you a fucking problem for me? Hein, man? Are you a problem with me? Ok, donc là je vais me faire un peu de la merde, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'était histoire de... What? La pelle, elle ressemble vraiment à rien. What? C'était quoi ça? Il creuse. Ok, bon, ben chacun son kiff-kiff. Je me jette un peu sur les gens comme des merdes, mais c'est pas grave. Donc comme vous pouvez voir, chaque fois qu'on meurt, on a une nouvelle arme, donc le gros couteau pour ma part. Bon, ça... Putain, j'arrive vraiment pas à les voir. Je sais pas comment ils font, mais j'arrive vraiment pas à les voir. On a les gunbox, donc ça, tout le monde a essayé les gunbox, je pense. Hein, même si
Vous n'êtes pas fan des... J'ai pas lancé ma Tomahawk, mon... Ma souris a fait n'importe quoi. Ma souris m'a fait... Bon, écoute, William. Ok, là, j'ai failli l'avoir, celui-là. Tiens, prends ça. Eh, merde. Je suis pas assez rapide, hein. Alors, c'est dommage qu'on ait pas l'écorcheur. Je pense que ça aurait été un peu cheaté. Faut pas déconner. Tac. Normalement, si elle est bien calibrée, passe. Non, elle est pas du tout bien calibrée. Boum. Oh, putain. Alors, il faut savoir que eux ont... le spécialiste ruine. Donc, avec les points de choc, hein. Nous, on les a pas. Point de choc. Point de chocolat. Tout, 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 tout. Oh merde, what? Ok, bah c'est pas grave. On va essayer de faire un petit cross de map. Et pas un cross de map. Ça fait deux fois que je le dis dans la vidéo, mais c'est pas grave. Parce que je me répète énormément. Non. Oh putain, oh putain. Il y avait un espoir, un culé. Ah putain. Désolé. Alors je suis désolé si j'ai un accent un peu bizarre. Je ne sais pas. À ce qui paraît, oui. Mais bon. Je sais pas. Je viens du sud, mais je crois pas que ça m'aide beaucoup. Je sais pas le genre... Je sais pas le genre de mec à vous demander pendant la vidéo de vous abonner. Mais ça m'aiderait un peu, tu vois. Ce serait un peu sympa, tu vois. Tu vois, si t'as un peu pitié de William avec ses 30 abonnés à tout péter là, tu peux l'aider un peu. Tu vois, c'est sympa. C'est le mec qui commence à faire de la... What? D'où il a le purificateur lui? What? Espèce de cheater de merde. C'est toi l'autre de la partie, c'est ça, hein? C'est lui l'autre de la partie. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut avec ce qu'il veut. Avec sa femme ou enfin, je sais pas quoi. Ben, je raconte un peu de la merde. Oh dommage. Il y avait de quoi faire un truc. Donc du coup la vidéo je pense qu'elle durera 18 minutes, un truc comme ça. Donc là on est à 17 minutes. Ouais, enfin, ça dépend. Moi j'ai 17 minutes, après si je coupe au montage, j'en sais rien. En tout cas voilà, c'était une petite vidéo manière, on va dire. Manière de vous faire. Le mode infecté qui est revenu, on va dire, sur Black Ops 3. Voilà, de MW3, on l'a sur Black Ops 3. Le katana est putain de bien. Voix des tourments, il s'appelle. Voix des tourments. Ok. Par contre, ce serait bien qu'ils arrêtent de mettre chaque 2 secondes des putains de charges électriques. Parce que ça me saoule un peu. Puff. Le dernier là-bas, le dernier va se faire sûrement tuer. Enfin, va sûrement se faire tuer plutôt. Personne a une petite tomahawk? Non, laissez-moi passer les mecs. Chut, chut. Ok. Donc, GG à tous. Je suis contraint de devoir quitter la partie. Parce que pour ma part plutôt, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez bien aimé ce petit moment qu'on a passé ensemble, voilà, sur le mode infecté, donc ça entre amis. Alors, est-ce que ça redémarre? Ouais, alors attends, c'est un peu aléatoire. Hein. Alors, non, moi je recommence pas une partie, sauf si c'est au locus. Bah, non, c'est la MX Garand. Ok, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'armes du marché noir. Donc, je vous ai fait voir comment faire. Je vais vous refaire voir encore une fois. Pour les gens qui n'ont pas suivi ou pour les gens qui ont des bugs, je rappelle que je suis sur PC, pas sur PS4 ni Xbox. Sur PS4 et Xbox, c'est pas mon problème, ok? Moi je montre pour PC. Est-ce que c'est un tuto? Non. Enfin, oui, c'est un peu. Il y a une petite partie tuto. Il y a quand même une petite partie aussi. Comment dire ça? Une petite partie gameplay. Donc, je refais voir. Vous avez votre série. Vous regardez le mode de jeu. Vous descendez jusqu'à qu'il n'y ait rien écrit. On descend. Attends. On redescend. Ta 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 ta. Il n'y a rien écrit. Infect mode evac. Si vous voulez le retrouver plus facilement, ce que je comprends tout à fait, vous appuyez sur le mode de jeu, vous mettez dans ajouter aux favoris. Et comme ça, quand vous voudrez par exemple faire un mode infecté, vous appuyez sur ça, le mode de jeu, vous allez dans favoris et vous rejoignez directement votre serveur. Quand vous voulez aussi aller en partie publique, vous allez sur partie publique, vous appuyez sur désactiver les modes. Et ben vous désactiverez les modes tout simplement parce que la partie publique ne veut pas de modes, ce que je comprends tout à fait. En tout cas, si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un like, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires du mode infecté. Et puis bon, je vous demande pas de vous abonner, hein, si vous voulez le faire, faites-le. Si vous voulez pas le faire, eh bien, écoutez, moi ça me dérange pas, hein, chacun ses goûts. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quoi d'autre, après vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne journée, tout ce que tu veux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut.